Coucou les budgétaires et les budgeteuses, bienvenue sur ma chaîne le Budget où on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour faire un max d'économies en début de mois ou avec nos défis et pour passer un bon moment ensemble dans la joie et la bonne humeur euh, tous les dimanches pour ma part et dans la semaine quand euh, pour celles qui ont autre chose à faire le dimanche. Euh, donc aujourd'hui, on va faire le bilan de la semaine 2 du mois d'avril. Euh, encore un beau bilan, vous allez voir... Merci au Pop Up, je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, et puis, euh, et puis bah, on va commencer tout de suite. Hein. Écoutez, je je raconterai ma vie et, et 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 tout et tout ça et tout ça au fur et à mesure. Donc oui, euh, je, je crois que c'est toi la une là qui m'a dit que euh, tu, adorais, tu adorais aussi mon porte-monnaie, mais je crois que je le préfère au au mot terme, quoi. Je le je le surkiffe, il est génial. et J'adore, ça y est je me dis, suis faite aux cartes bleues de ce côté là. Euh, je, l'aime trop. Donc, non, je garde mon mot terme bleu, bleu, bleu vert, mais c'est mon ordonnance, ça, qui se bat en vrille. D'ailleurs, le, le pharmacien où j'ai, où je suis allée, ça y est, la mêle, elle exprime ses sentiments, j'avais, euh, j'ai un jeu d'oracle et, euh, D'ailleurs, j'étais voir ma magnétiseuse, je vous raconterai après. Euh, et je lui dis, ouais, je t'en mets tout le temps sur la carte, euh, exprime tes sentiments. Ou alors, euh, enfin, je sais plus, trois cartes qui, reven, qui sont revenues à chaque fois pendant euh, un mois où je ne l'ai pas vue. Dont, exprime tes sentiments. J'ai dit, bah, le pharmacien, c'est un vrai, c'est un vrai, c-o-n-n-a-r. -C -O des, ma cousine m'avait prévenue, m'a dit ⁇ Va pas là-bas euh, ⁇ Mais j'étais jamais tombée sur lui tu, que sur ses collègues euh, pendant plus, plusieurs mois. Et les trois dernières fois, où je suis allée, je suis tombée sur lui. À chaque fois, il y a un problème, euh, un gros débile. Et donc, euh, il en a pris pour son grade, sans insulte, de manière diplomate. Mais il en a pris pour son grade. Donc, Mel se rebelle. Voilà. <laughs> Et on veut pas de gens comme ça dans notre, dans notre vie. Donc, ma cousine, elle m'a dit, t'as vu, je t'avais dit. Je suis, oui, t'inquiète. Maintenant, je vais aller. En fait, j'habite dans un pas au Havre même, mais euh, dans la ville rattachée, que c'est pas ça, adresse. Et c'est une ville assez euh, bourge. Mais je suis juste en dessous, en fait, du quartier qui s'appelle le Blé d'un autre quartier. Euh, J'ai fait exprès parce que moi j'aime bien travailler dans les écoles de quartier. Donc du coup, euh, bah, j'irai à la pharmacie du quartier parce que franchement, les, 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 euh, lui, c'est un vrai euh, C.O.N. Et elle m'a dit euh, à ceux de chez toi. Bah, euh, quand je, à, quand je dis à mes voisins, vous savez, on est plus près du petit écart que de que, son que adresse. Ils ne sont pas d'accord, ils sont pas contents. <laughs> Mais c'est vrai. Euh, j'ai juste à monter la côte, j'y vais à pied. Hein. Bref. Ensuite, donc, mail. Je n'ai rien dépensé. J'ai mis 30 euros. Parce que si vous m'avez suivi sur Insta, j'ai fait un petit post. Et je me suis fait un petit craquage. D'ailleurs, le jour où je suis allée voir ma magnétiseuse, qui est je ne sais plus quand. C'était quand ça non, c'est pas celui-là. Oui, j'ai reçu ma commande de perso, que j'ai fait perso euh, avec Timou. Euh, je vais, normalement, je vais vous poster un réel sur Insta. Je vais essayer de faire un short sur YouTube, mais euh, je, je suis pas très douée. Mais je vais essayer. Voilà. Alors, du coup, c'était quand C'était lundi que je me suis... Euh... Ah non, lundi, c'est hypnotiseuse. Euh, pourquoi j'étais voir... Euh, euh... Je l'ai vu la magnétiseuse. Mais combien là ben, On est le 10. Ben non, bah ben, c'était hier. Hein. Non, c'est un M. Non, je l'ai vu lundi. Bah oui, c'était le jour de l'anniversaire de ma soeur. Donc oui, je l'ai vu lundi. Et du coup, euh, je, suis allée au, je suis retournée au magasin. Elle avait plus, ils avaient plus le sac Eclipse. Je vais vous remettre la photo. Comme oh, je voulais. Donc vous voyez Ça y est Je vais arrêter de me plaindre de mon budget de planeur euh, tout rigide. Dès que, que j'ai envoyé. Euh, euh, J'espère que tu l'as bien reçu. Hein, euh, merde. Excusez-moi du gros mot. Jeanne, j'espère que tu l'as bien reçu. Tu, tu me dis, Sonia a bien reçu son, son, son vernis. Donc, je suis contente. Euh, donc, j'ai n'ai pas dépensé mes 30 euros parce que je compte euh, me rembourser. J'ai payé quand même mon sac euh, euh, Paul Marius 115 euros. Donc, voilà. Donc, j'avais déjà 60 euros de mon épargne mail grâce au défi de Linda, de la chaîne Linda Budgeteuse que j'embrasse très, très fort. Et donc, grâce à toi, euh, vous voyez, grâce à la méthode des enveloppes, moi, avant... Euh, Franchement, j'aurais attendu euh, Noël ou mon anniversaire pour me faire un cadeau comme ça. Bah là, non, j'avais mon, mon défi Linda. Tant pis, je me suis un peu avancée avec mon livret A et je vais me rembourser avec mon défi prénom euh, pour pouvoir euh, m'acheter mon sac euh, que, je, que je ziotais depuis plus d'un mois, un mois et demi, euh, depuis, euh, depuis que, je vais, euh, que je vais en ville régulièrement. Donc, au cas où je n'ai pas eu besoin de course, franchement, euh, à chaque fois, bon. Je me suis fait plaisir, je me suis racheté des bulots mayonnaise. <laughs> Tim Bulot, vous vous, vous, bulo, euh, voilà, vous allez euh, vous allez vous allez vous reconnaître. On, on en a parlé en commentaire, euh, mais, euh, mais je trouve qu'à Carrefour, euh, franchement, euh, pourtant, bon, c'est vrai que j'achète des trucs. De la purée d'amande, ça coûte 5 euros, etc. Mais euh, je fais quand même gaffe et il euh, y a un peu de rendu de monnaie que j'utilise pas l'enveloppe euh, au cas où j'augmente pas de budget mais là cet après-midi euh, je vais aller chez Aldi hein. je, vais, je vais retester chez Aldi et faire un complément euh, un complément euh, chez euh, Carrefour de ce qu'il y a pas chez Aldi la pure d'amande, notamment voilà et du coup je pense que alors là sur mon compte en, en virtuel il me reste 75 euros je vous explique Soit, oh, là, j'arrête pas de dire des gros mots. 75 euros, normalement, j'avais 40 euros de bon d'achat. 20 euros pour les deux prochaines semaines d'eBay Club. Si j'en fais qu'un. Donc, non, je me rajoute 20. Euh, je, vous, je vais refaire 20 euros d'essence parce que j'en ai quasiment... Enfin, il me reste une barre. Donc, euh, voilà, j'ai je, 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 quand même des choses à faire dans ma vie euh, autre que des livraisons. Donc, euh, je vais remettre un peu d'essence. Euh, je veux garder des et je voudrais faire euh, aller chez Primark. J'ai besoin de sous-vêtements, de chaussettes et j'achète euh, souvent chez Primark. Puis faire un petit tour et sur euh, Poupeo, il y a des bons d'achat Primark. Donc, euh, je voudrais me prendre un bon d'achat de 20 euros chez Primark et voilà. À chaque fois, pourquoi la mienne elle fait ça à 29 euros On m'a demandé le prix au jour à 29 euros la calculette. Bref, je vais le remettre après. Donc, il me resterait, en fin de mois, 15 euros. Et j'aimerais bien garder 5 euros parce que je vais avoir des revenus YouTube ce mois-ci. Ça y est, ça a été validé. Enfin, c'est, un mois, c'est, est pour, alors non, en avril. Donc, c'est les revenus du mois de mars. Je vais avoir 85. Donc, je voudrais arrondir à 90. Donc, je voudrais garder 5 euros. Donc, voilà. Donc, il me resterait que 10 euros pour euh, le parking. Parce que si je vais à Primark, faut que je paye le parking. Si je retourne à Star Starbucks pour euh, bosser sur euh, moi, euh, <laughs> bosser bosser sur le montage ou faire euh, répondre à vos commentaires. Donc voilà. Donc je vais peut-être faire que 40 euros de course là et 40 euros. Il me reste encore des trucs hein, et 40 euros la semaine prochaine. Donc je vois. Au cas où il n'y a plus rien, déjà il n'y a plus rien. Santé, il y a 25, mais bon. Euh, j'ai du coup euh, comme j'ai très très envie de voyage, <laughs> j'en ai parlé à, à, à ma magnétiseuse, elle m'a dit ah, mais ce serait super. En fait hier, enfin euh, lundi, on a travaillé sur parce que moi, je suis terrifiée par la fatigue. Vu que j'ai fait un burn-out, j'étais en, en état de fatigue intense qui m'a amené à être très, très, très mal. Et du coup, j'ai peur de la fatigue. Et la fatigue est pour moi un euh, handicap, me fait peur, me fait euh, ne pas faire les choses. Donc, elle a travaillé pour ancrer en moi le fait que la fatigue est un allié et que, justement, c'est un allié qui me permet... Euh, de, de de dire à mon corps bah là faut que tu te reposes euh, et qu'au bout d'un moment euh, j'aurais plus besoin de cet allié pour savoir euh, que enfin que, je serais même plus fatiguée quoi et donc elle m'a dit de mettre sur mon tableau de visualisation euh, le, des images de, du voyage en Sicile dont je rêve donc, je, peut-être pour le mois de mai ou le mois de juin, j'irai toute seule en club parce que je suis pas prête à repartir en, en mode sac à dos comme j'ai fait quand j'ai traversé le Canada ou dans plein de voyages où j'ai fait. Partir toute seule, ça me dérange pas du tout. Au contraire, euh, là, j'ai envie de tranquillité, de, de pouvoir vivre à mon rythme si j'ai besoin de faire une sieste, si j'ai besoin de me coucher tôt. Je préfère ne partir seule et pas handicaper la personne euh, qui part avec moi et qui a envie de faire plein de choses. Mais il y a quand même deux excursions qui me font rêver. Je lui dis, j'adorerais aller voir le mont Etna, enfin, le volcan Etna. Je vous mettrai la photo. Oh et de faire une mini crasière dans, dans les îles paradisiaques de la Sicile. Donc euh, voilà, je, je rêve. Donc euh, peut-être d'ici à dimanche euh, vous verrez la vidéo. J'aurais booké mon voyage. Donc euh, je pense partir euh, en mai. Alors je regardais les voyages de Deauville, parce que Deauville, c'est à une heure de chez moi. Moi j'habite Havre en Haute-Normandie. Deauville c'est en Basse-Normandie. Mais c'est quand même moins cher au départ de Paris j'ai des Flixbus euh, directs. Euh, Le Havre, euh, Charles de Gaulle. Donc euh, il y en a 3 par jour, donc euh, je pense que je vais partir de Paris et puis euh, ça me coûtera moins cher parce que bah, du coup je paye un supplément en chambre, chambre simple. Voilà, d'hiver j'ai toujours pas utilisé mes 10 euros, donc euh, là que, avec le mot terme il y avait les, la séparation, donc joy c'est au mois, santé c'est au mois, donc on visera en semaine 4. Sortie, euh, je garde mes, mes 20 euros parce qu'aujourd'hui c'est l'Aïd, donc je vais de l'Aïd. Bon bah du coup, ce sera la mail du futur qui vous souhaitera l'Aïd, ce sera déjà passé, vu que je vous tourne cette vidéo le mercredi 10 avril. Donc j'ai souhaité à mes copines euh, une bonne fête de laïle à Linda et aussi à Madame Budget et à mes, mes amis euh, de, du Havre hein. et vendredi midi on mange ensemble donc du coup j'utiliserai mon enveloppe sortie et je suis allée boire un café au Starbucks et puis le rendu de monnaie euh, je l'ai mis euh, en pièces et il m'a pas rendu de billets de 5. donc ça doit être ça le, le rendu de monnaie et je suis retournée euh, quand j'ai été faire des courses pour acheter des biolos et du coca, j'ai dû piquer dans les pièces aussi. aussi. Donc, voilà ce, ce qui explique cela. En CB, qu'est-ce qui s'est passé Mon, mon bon d'achat eBay Club est passé. Alors, j'ai recommandé des croquettes de Joy. Donc, je l'ai pris dans sa provision. Dans sa provision. Je sais pas, qu ce qui vient de se casser la figure. Un stylo. Euh, donc, euh, avril... Joy Croquette, moins 30, donc sur mon livret de provision, je suis à 2780, et dans l'enveloppe de Joy, Joy Joy, Joy ma Joy moins 30, elle est à 90 euros, donc ça c'est pour le veto, mais la vaccination est passée, et, euh, et pour ces croquettes, et puis, euh, si j'ai besoin d'un shampoing, hein, mais euh, j'ai son enveloppe aussi, hein, euh, que je fais chaque mois. Et par contre, en cas de, de maladie, j'utilise plutôt le fond d'urgence. Voilà. Euh, tant que je n'ai pas refini -re son défi et que... Parce que du, ma, ma il elle a un défi. Je crois que c'est, oui, c'est Madame Budget aussi que Linda elle a fait son, le défi de son chien avec la photo du, de, son, de son chien. C'est trop mignon. Donc, euh, ouais, mais quand je vais refaire son défi, je lui remettrai 50, 50 euros. Au moins, même si je ne les utilise pas cette année, ça m'avancera pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas fini les épargnes. <laughs> je me suis fait un petit Italien à emporter, Uber Eats. J'avais pas envie de pizza, j'ai envie de pâte au quatre fromages et un tiramisu. Donc, j'en ai eu pour 22 euros. Voilà, c'était mon cheat meal du mois. Les bulots, mayonnaise, Thibaut Geoffray te dirait que c'est pas hyper healthy. Mais les mayonnaise maison et les bulos, c'est plein de protéines. Et j'ai mangé de la salade avec. Euh, donc, voilà, j'ai fait mon cheat meal du mois. Donc, moins 22 euros. J'ai payé le parking quand je suis allée chez la magnétiseuse, moins 3 euros. Et... Je me suis commandé du coup comme ils avaient pu le sac Eclipse en magasin, et elle me dit non je vais pas le recevoir machin et tout. Je fais... Elle me dit c'est une édition limitée. J'étais j'étais au bout de ma vie. Et là je me suis rendu compte que je le voulais vraiment, ça quoi. Ça fait un mois que j'ai j'y pensais et euh, et du coup bah je suis allée sur le site Paul Marius comme ma sœur m'avait montré euh, et et je me suis commandé. Et donc j'ai vidé j'ai vidé L'enveloppe mail que j'avais remplie avec le défi de Linda, euh, donc retrait mail pour mon sac moins -60 et je me suis avancée donc dans mail il n'y a plus rien. Je suis où Elle est où moi Dans mail il y a 00 la tête à Toto, mais je suis trop contente. Ça je suis tranquille pour mes deux prochaines séances d'hypnothérapie. Nana. Et je me suis avancée 55 euros avec mon livret A, donc je suis avec 3045. Et si je paye mon voyage, ce sera avec mon livret A, évidemment, vu que je, pour moi, c'est un voyage, c'est un projet à long terme. Donc voilà. Et puis, comme euh, ça fait deux ans qu'en Normandie on est en automne. Hier c'était encore la tempête, j'ai encore dû baisser mes barrières. C'est des barrières de chez Mano, -mano donc ça, ça pèse euh, 15 grammes, quoi. même si j'ai mis des galets dessus, dès qu'il y a un si des goût euh, de vent, euh, elle se barre en sucette. Bref, euh, c'est bon, j'en ai ras le bol, je veux du soleil, donc je, je pense que je vais je vais claquer mille boules. Hein. Franchement pour une chambre solo, euh, même si on est hors période scolaire, je vais être obligée de... Le voyage, si on part à deux, il a à... à 700, 700 euros. Euh, mais euh, toute seule, euh, il, me monte, il me monte à 1000 à ans. Mais euh, je crois que je vais le faire parce que de toute façon, ça fait trois ans que je suis... depuis que je suis tombée malade, je peux partir en vacances. Donc je, je, je crois que je vais, je vais le faire. Et puis voilà quoi je vais reprendre le bus, l'avion, passer une semaine les pieds dans l'eau, euh, en all-inclusive, donc les repas matin, le, les petits déjeuners trop bons, les, le déjeuner, le dîner, les excursions. Euh, moi, je parle à tout le monde, alors, du coup, bah, même si je me fais pas des super potes, euh, moi, je parle aux gens, donc... Euh, euh, voilà, je vais prendre des bons bouquins. Euh, là, je suis en mode Colline Hoover à fond. Je vous, ai, je vous expliquerai. Ouais, je, je suis allée à la bibliothèque euh, la semaine dernière. Euh, je, 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 Normalement, vous aurez vu un réel. Ou, sur Insta, je vais essayer de le faire en short aussi avec tous les livres que j'ai trouvés de Colline Hoover. Donc là, ça va être le mois Colline Hoover. Donc bref, donc voilà, je me suis acheté mon sac euh, Primark. Donc je, euh, Primark mon sac euh, Paul Marius c'est écrit PM donc je sais pas pourquoi j'ai dit Primark et je clôture et on passe à la S3 bah de toute façon j'ai plus beaucoup de sous donc il y aura un, un bon d'achat eBay Club sûrement, un bon d'achat Primark et, et, et de l'essence et puis c'est tout et puis après il me reste 15 euros donc, euh, donc euh, à voir parce que euh, j'ai peut-être envie de me faire une petite commande Amazon, mais ouais, parce que je suis en train de craquer. Craquer pour d'autres défis, et oui. Et oui. N'est-ce pas, Soleil <laughs> Mais euh, c'est pas pour tout de suite, du coup, euh, bah, je, je, je l'attends. Et puis, euh, je ferai ma commande Amazon euh, quand je vais le recevoir. Donc, je sais pas si c'est avant la fin du mois ou pas, mais donc, je me garde 10 euros de côté pour commander. Euh, il faut pour réaliser ce défi. Alors, les bonus. Les bonus, ils sont là. Alors, il y a beaucoup de bonus parce que j'ai fait des ventes. Donc, 10 euros, un nounours. Euh, Sonia, ton, ton Paypal, comme je, je me suis payé mon café avec mon enveloppe mail, plus euh, ton vernis, je l'ai payé avec mon, mon virtuel. J'ai retiré 10, 10 euros pour les mettre dans mes défis. Chopopop, euh, je vais vous en parler après. eBay Club, j'ai pu, grâce à, au fait que j'ai pris un bon d'achat Enfin validé ma canette, j'ai retiré mes 10 euros. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai écrit Pourquoi Pour boire Choco pop C'est là. En fait, j'ai pris un troisième étage, alors... C'est Sonia, je crois, ou Layla. Ouais, non, c'est Layla. Euh, qui, qui a pris une commande de 200 à 300 euros. Je lui dis, euh, rassure-moi, il y a combien d'étages Elle me dit, t'inquiète, je n'ai pas fait de la guêpe, j'ai pris un rez-de-chaussée. Et moi je lui ai dit tu ouais, t'as raison moi je m'arrête euh, au premier ou au deuxième même si la semaine dernière je disais, je disais ouais je suis dégoûtée de pas monter parce que je veux faire du cardio surtout si je vais aller voir le, mon, le mont Etna je pense que ça monte un peu euh, et du coup j'ai pris un troisième étage et je lui ai dit j'ai si j'ai pris un troisième étage euh, à, avec une commande à 120 euros à peu près et juste à côté de chez moi et la dame elle, elle a tellement pitié de moi dans l'état où j'étais quand je suis monté le dernier sac elle m'a donné 10 euros de pourboire. Elle est adorable. Et elle me dit ah oui c'est trop dur. Bah c'était une dame un peu un peu pas âgée mais euh, voilà dans un certain âge et euh, elle peut plus monter ses ses courses au troisième étage sans ascenseur. Donc euh, je lui dis bah je vous comprends totalement et euh, et puis euh, bah voilà moi j'ai fait mon sport j'ai eu des courbatures pendant quatre jours et puis ben euh, va falloir que je continue soit je que je reprenne les hits les, les... C'est le cardio training de Justine Galis, là d'ailleurs, elle en sera un nouveau programme bientôt, mais il va être trop dur pour moi. Il va que je commence un peu plus léger. Mais voilà. Et les gains shop-up, donc 69,40€. J'ai arrondi, j'ai retiré 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 70 Et donc, il y a 10 euros de, deux fois 5 euros de parrainage donc je sais que Vanessa de la chaîne Colibri Budget elle a utilisé mon lien euh, de parrainage Donc mais je crois que c'était euh, de, de la semaine dernière je me suis trompée avec Angeline parce qu'Angeline du coup elle n'avait pas réussi à rentrer mon code donc ça, ça doit être Laila Sonia euh, je sais que Marie aussi euh, mais elle a pas encore fait de livraison donc bah oui alors Betty Betty de Budget Famille Nombreux tu m'as fait trop rire donc Betty elle, a, elle, a, elle m'a envoyé en, en capture d'écran sur Insta qu'elle avait rentré mon code pour que j'aimais 5 euros, mais j'ai dit mais bêtises, c'est il faut que tu fasses une livraison pour que je les ai les 5 euros, sinon ça marche pas. Je fais, mais c'est très gentil, c'est le geste qui compte. Et oui, en fait, c'est comme toutes les applis, même les applis de cashback, si vous utilisez mon code pour Poulpeo, par exemple. Si vous commandez pas euh, Poulpeo, la règle, c'est si vous commandez pas pour 20 euros dans les 6 mois, je touche pas mes 3 euros moins. Bon, vous touchez vos 5 euros, mais moi je touche pas mes 3 euros. C'est pareil pour eBay Club, euh, mais c'est normal. Eux, eux, ils veulent que faire marcher leur euh, leur business quoi. Donc Betty elle m'a fait trop rire. J'ai dit mais non mais faut que tu fasses une livraison sinon ça marche pas et puis j'ai Horatia euh, ah oui il y a Enora aussi euh, qui, qui a utilisé mon code donc là j'ai j'ai livré trois fois des fleurs cette semaine je me suis un peu calmée sur les courses pour me reposer un peu et euh, et d'ailleurs je vous ai posé une, une photo sur Insta c'était trop mignon et il y a Enora aussi qui, qui a utilisé mon code de parrainage donc j'ai déjà 5 euros de parrainage pour le prochain donc voilà, alors faut que je vous parle de show pop up, juste vite fait, parce que Leila, elle a Facebook, donc elle a été sur le groupe de Shop Pop Up, parce que moi j'ai pas Facebook depuis que je me suis fait pirater il a piraté, le mec, il a, il a pris la main sur mon ordinateur et tout. Je suis traumatisée de Facebook, j'y vais plus. Du coup, euh, elle m'a dit, donc on a le droit à 20 virements par an. Alors je, je pense que c'est par année civile, mais il faudrait que je demande au service client. 20 virements par an. Donc la mail, elle, elle va se calmer, a arrêté de, de, de virer ses gains toutes les semaines. <laughs> et euh, comme tout, toutes les applis, comme Wicard, comme Vinted, comme euh, Boncoin, comme... Euh, dans tous les trucs où on vend des trucs, euh, comme euh, quand on loue son appart, là, Airbnb, si on dépasse 3000 000 euros de gains, euh, c'est déclaré aux impôts. Ils envoient directement aux impôts que vous avez touché 3000 3 000 euros. Et, euh, et on a le droit à 20 virements par, par an par rapport à ça aussi. Donc, la mail, elle va se calmer. Elle va arrêter de retirer ses gains tout, toutes les semaines. Et je l'ai retiré qu'en semaine 2, pour le bilan de la semaine 2. Donc, du coup, le défi de Linda, je le ferai en semaine 2 et en semaine 4. Parce qu'en semaine 4, je suis plus susceptible aussi d'avoir plus d'économies parce qu'on vit toutes les enveloppes et parce qu'il y a peut-être des revenus YouTube. Voilà. Euh, ah oui, et pour Chez euh, pour euh Aurélia, Aurécia, pardon, elle a loupé le code. J'ai été dégoûtée. Elle me dit, oui, je me suis inscrite, mais je ne trouve pas où mettre ton code. J'ai fait, et euh, du coup, elle s'est renseignée. Il faut rentrer son code. Moi, j'avais moi, pas de code, donc je pouvais pas lui, lui dire. Je fais, bah, je sais pas trop et tout. Et il faut rentrer le code avant de, de valider son inscription. En fait, à, à un moment, euh, vous devez mettre votre adresse mail, vous créez un mot de passe et il doit y avoir écrit code hein. il faut, C'est à ce moment-là qu'il faut le mettre pour avoir vos 5 euros, sinon vous les aurez pas. Voilà, donc euh, au reste, je suis désolée, t'as as loupé le coche. Mais bon, au moment tu vas faire des livraisons et tu vas voir tu vas voir tu vas te faire des sous-sous. Euh, ah oui. Alors. Donc hier j'ai livré des fleurs mais c'était un sketch, un sketch, c'était dans une un gros building en fait au Konawa avec plein de bureaux. Et il fallait que je trouve un bureau avec la dame dedans. Moi, moi, je prends la livraison de fleurs. Je pensais que c'était en particulier. Mais donc, du coup, je rentre dans la grosse structure. Je demande à la... Je lui dis, oui, je cherche le, le bureau de NJ. Euh, euh, enfin, Je sais même plus les ressources humaines de Easy by EDF. Voilà. Euh, elle me dit, c'est au premier étage. Je vais au premier étage. Et on dit, c'est au deuxième. Vous voyez, Astérix, quand ils sont dans le, le, le grand immeuble, où la dame leur dit, oui, alors il faut aller au huitième, demander le formulaire S132. Mais je me suis cru trop dans Asterix. Je vais au deuxième. Ils me disent non, son bureau des euh, ressources humaines, c'est au troisième. Je vais, je vais au troisième. Euh, et puis il fallait prendre l'ascenseur euh, sud. <laughs> Et, et j'arrive, je trouve enfin son bureau. Il y avait son collègue dedans, elle me dit. Il me dit, elle est pas là, je sais pas où elle est. Je lui dis, bon, bah, ben, je vais vous les donner et je vais vous les laisser lui le transmettre et je vais valider la, on peut valider la livraison sans code. C'est juste qu'il faut attendre 48 heures, 72 heures pour être, euh, avoir son pourboire. Donc oui, le pourboire, c'est ce qu'on est payé pour la course et on peut avoir des pourboires en cash en plus. Mais, euh, j'avais eu la question. Donc voilà ma péripétie. J'ai fait une paméla <laughs> j'ai dit, dit ouais j'ai mon chien qui attend dans la voiture. Je peux vraiment pas attendre parce que ouais bah moi je prends et quand je livre des fleurs parce que pour bon, moi j'en ai pour deux minutes. Mais euh, là c'était pas le cas. Je enfin, là non j'ai mon chien dans la voiture. Euh, il, faut, il faut absolument que j'y aille. Je peux pas traîner. Et du coup la dame après moi elle m'a renvoyé un texto parce que moi je les préviens avant d'arriver. Elle m'a dit merci. J'ai bien, bien eu les fleurs. Donc c'est bon. Donc, ouais, j'ai fait une Pamela. D'ailleurs, en parlant de Pamela, elle crée en ce moment des, des défis de malade. D'ailleurs, elle a créé, euh, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, le bu budget de Pamela. Parce que elle, a, elle, elle, a pas pu mettre le le. m'a <laughs> fait trop mal quand elle a raconté ça. Bon, elle va bientôt revenir, hein, sur YouTube. Je vous tiendrai au courant parce que moi, elle me manque à mort. J'aurais pu lui dire, tu reviens quand sur YouTube? Tu reviens quand? Et, euh... Et elle a sorti un défi avec le nom de toutes ses budgettes préférées. Et puis il y a il y a il y a, y a moi dedans et ma ma carte elle est trop belle donc euh, bah je vais craquer hein, voilà je vais craquer je lui ai dit euh, je suis obligée. je lui ai un un MP je suis obligée. puis après on, on a pas on a pas poté et tout euh. donc euh, donc elle, elle revient bientôt voilà 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 et franchement euh, elle qui disait que que elle ferait pas de création bah je, franchement, gros respect à vous les filles pour votre patience, votre créativité, euh, bah, votre, votre euh, ouais votre travail manuel là, euh, je sais pas comment on dit euh, parce que moi je, je... à part euh, ouais moi moi mon mon c'est l'humour voilà moi je sais faire rire, <rire> c'est tout et euh, mais rien rien que vous allez voir dans mes défis mettre le le washi euh, à la place des petits oui je le fais à l'arrache. J'ai pas la patience. Donc, ouais, gros respect. Donc voilà, on a fini. J'arrête de jacter. On le remplira tout à l'heure. Je vais me le sortir parce que sinon je risque d'oublier. Donc, la semaine de 3. La semaine 3. Ouais, on va se le mettre là de côté. Enfin, je vais, moi, je le vois. Ouais, vous voyez un petit peu. La semaine 3. Euh, J'ai le 15. Donc la semaine 3 c'est là le 15. Euh, normalement je, je vais ma, ma, mon hypnothérapeute. Il faut juste que je pense. Donc là je vais essayer de faire un H correct et un M correct. Bref. Donc il faudrait que je prenne euh, une liasse. Elle est trop fan à chaque fois d'avoir les billets de 5. <laughs> Donc c'est 65, je vérifie. 10, 20, 30, 40. 50, 60 et 65. Je vérifie. Madame Budget, tes petits trombones chats, je vais les offrir à ma cousine parce qu'elle m'a fait un super cadeau. Et puis, bon, enfin bon, ça ne vaut pas du tout ce qu'elle qu m'a offert, mais euh, elle, a, elle a un chat, elle est fan des chats. Et je sais que ça va lui faire trop plaisir. Donc j'ai envie de lui offrir. Donc euh, voilà. Et moi, je garde mes petits trombones chiens et puis mes, mes, mes petits trombones cœurs que, que ma nièce m'avait... Euh, M'avait offert. Voilà, voilà. Mais. Et ça, ce sera pour la séance 4. Où euh... j'en étais Je suis perdue. Je suis perdue. Oui, les défis Allez, on fait les défis. Ouais, sinon, euh, à part vendredi, vendredi, vendredi le 12, on a un déjeuner avec les cops. Là, je suis en grand rangement de printemps pour mon vide-grenier. Je vais mettre une photo de mon appart. Non, je ne pars pas en vacances, il y a des valises partout, mais en fait, je prends mes valises en fait, pour mettre toutes tout mes affaires. Euh, voilà. Je suis en grand rangement de printemps, là, il faut que je fasse la le, le placard de la cuisine. Pourtant, j'habite un T1 hein, de 38 mètres carrés, donc j'imagine les gens qui ont des maisons. Ça doit être quelque chose. Euh, C'est fou ce qu'on accumule comme truc, en fait, qu'on n'utilise pas. Et euh, même moi, qui, qui me prône à un minimum minimaliste, pour moi, j'ai encore trop de choses. Et dès que là, j'ai vidé mon arrière-cuisine, oh, je me suis sentie tellement mieux. Ouais, la magnétise, elle, elle m'avait dit la première séance de faire du tri chez moi, de changer ma déco et tout ça. Donc, euh, franchement, ça fait un bien fou. Donc, si vous avez un peu de temps. Et ouais, moi, je, donc là, je me motive cet après-midi. Euh, course, euh, rangement de cuisine, un peu de sieste parce qu'il faut, faut écouter son corps. <laughs> et, puis, euh, et puis, voilà. Bon, on met dans les défis. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc le défi fait lâcher après le remplissage. Il ne faut, faut pas que j'oublie. Si je ne vous cadre pas. Ça, c'est au budget. Allez, on met nos 10 euros par semaine. Je vais mettre le billet direct. Et ça, nous, ça va nous mener à 150 euros. Donc normalement, nous sommes en semaine 15. Si tout... Oh, Qu'est-ce que je coloris mal mais c'est parce que je veux faire vite. Prends ton hein. temps. On n'a pas de train à prendre. Il n'y a, pas... a pas le feu au lac. Allez, <laughs> ah, 150. Voilà. Allez, on met Ma, mon éponge, j'avais tout préparé. J'avais tout préparé. Bon bah tant pis. Ce sera mon doigt. Ce sera mon doigt. Mais je l'avais il y a deux secondes. Ah, mais juste... ah oui, elle est juste sous tes yeux. <laughs> oh j'en peux plus. Ouais. Euh, donc, jour férié, euh, bah c'est pas tout de suite, c'est la fête du travail, c'est le 1er mai, hein, donc voilà, on grattera en semaine 4, on, on s'avancera un petit peu, 2024, je l'avais clôturé, tac, donc ça c'est bon, défi des étoiles, c'est s'il reste des sous, aurait j'ai, alors j'ai un petit peu réfléchi avant, je vous avoue, donc comme il faut mettre 4 euros, donc là je vais mettre 8, donc je vais mettre un billet de 10, et je vais récupérer... Une pièce de deux. Eh, ça, eh, ça, co ça cogit de là-haut. Comme ça, j'ai mis 8 euros. Voilà. Et je ne traque pas celui-là. Je traque en fin de mois. Et je le cumule. Euh, je pense que je vais le cumuler toute l'année, celui-là. Linda. On, donc, on, on fait comme si... Je on est la semaine 2. Je l'ai gratté. J'ai mis les 30 euros. Et ce, celle-là, je la gratterai qu'en semaine 4. Je, je change. Semaine 2, semaine 4 pour euh, le défi de Linda budget toute. Voilà. Allez, Céline, il faut faire un 3. J'en suis à la carte 3. Je sors la carte pour me porter les chances. Donc, la semaine dernière, j'avais. Pourquoi c'est la 2, là Ah, bah oui, parce que j'ai déjà. Non, c'est la 3. C'est juste que tu as déjà gratté une pastille. Je suis pas douée. Allez, un 3. Non. Moi, je m'autorise trop à lancer. Hein. J'avoue que je. Mais oui Oui bah oui, Sinon, sinon, on n'y arrive jamais. Allez. Allez, c'est parti. Donc, si vous ne voulez pas y spoiler, ne regardez pas. Parce que je crois que je suis celle qui va plus en avance. Allez, 10. 10, 10, 10. Je suis trop fan. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais récupérer mes deux billets de 5 et je vais mettre un billet de 10 à la place. Et je vais mettre les 10. Donc, en tout, pour l'instant, on en est à 40. Yes. Bon, bah, moi, je l'adore ce défi. Mais madame, je crois que c'est ouais, Madame Budget. J'ai regardé sa vidéo ce matin. Et elle me dit c'est quoi vos défis préférés Je fais, Moi, c'est c'est le tien. C'est Celui que vous allez voir après, son défi resplendissant. Euh, J'adore celui de Soleil et Budget euh, avec les l'arbre de vie parce que moi je suis un peu dans le développement personnel. J'adore Gustave Klimt euh, et ses œuvres. Euh, c'est un grand peintre, voilà. J'adore, je l'adore et il a fait un, un tableau qui s'appelle l'arbre de vie et c'est mon tableau préféré. Bref et euh, et donc je lui ai dit celui-là et je lui ai dit le défi de Céline avec le Dieu moi il me fait trop il me fait trop marrer. Donc les billets de 5, euh, je pense qu'on va tous les on va en mettre pas mal. Parce que je vais les prendre en, en rendu de monnaie, les 35 euros qui me restent. Pourquoi 130 euh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il me manque 70. Non, il me manque. Euh, 30, bah oui, 35. 70 divisé par deux. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Non, mais non il me manque 70. Je vais pas prendre 70 au vide-grenier. Mais, euh, mais je vais en prendre un peu pour le vide-grenier. Je connais combien, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va voir. On va voir parce que bon bah là, là c'est moins pressé. Allez comme aujourd'hui, ça va. Je suis sortie de Joy tout à l'heure. Ça va. Ça va. On va mettre. Allez. On va mettre un petit biais. Alors, je ne sais pas. Non. Je... non je... Si, si, on va mettre dans le défi des saisons. Il y a ma qui me regarde. Qu'est-ce que tu veux, Joy Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé Tu me regardes parler aux gens euh, toute seule <laughs> Tu veux venir avec moi Tu viens On a vu ta copine tout à l'heure alors euh, défi lecture donc je me dois 4 euros donc euh, je, je sais pas si je me les mets en pièces ou si je me je, je me mets que je me dois 4 euros parce que là les, les over je suis en train de les, les, le premier je le jamais plus celui-là j'ai fait un réel tout à l'heure un pour vous poster ça demain euh, je, je l'ai déjà bien entamé et regarde ouais, ça j'adore mais moi la nuit roman c'est vraiment ce que je kiffe hein. J'ai bien aimé euh, donc le livre que j'ai fini là, euh, un, un long, si long après-midi, qu'Anès m'avait conseillé. Mais euh, donc là, je me dois 4 euros. Parce que c'est 4 euros par euh, livre. Et pour l'instant, je veux pas mettre de piste dedans. Je ne pense pas. D'ailleurs, il y en a une qui traîne là. Comme j'ai gratté Céline. Euh, et oui, et pour euh, il faut que je me rembourse mon sac, Paul Marius. Donc, donc, donc j'ai 15. Donc, déjà, on va récupérer le billet de 5. On va mettre 5 euros. On va mettre un billet de 10. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un chiffre rond Bah ben oui, 9 et 1, 10. Voilà. Mais vraiment, 12, 22. Pourquoi j'ai déjà mis les 2 euros de bonus, donc il devrait me manquer plus que 20 euros. Pourquoi là j'ai 12, 20, 10, 20, 30, donc il me manque 30 euros. Moi oh, j'ai la flemme de compter 12 plus 14 plus 4. Ah bah si, ça fait 30. Ok, ok, Donc, 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 que faire? Est-ce que je me refais encore une autre lettre? Voilà. On va voir après. Et donc, du coup, là, pour l'instant, j'en suis à 30. Donc, il me manque 30 euros pour pouvoir rembourser mon sac. Et je le reçois demain, je vous l'ai dit. Oui, je crois que je radote. Joy, je réfléchis. Madame Budget, j'ai envie de lui mettre, lui mettre des sous pour qu'il avance. Alors. Allez on va lui mettre un billet de 5 et on va faire 10 euros on va mettre 15 euros est ce que j'ai mis un billet de 5 dedans Non, pas dans celui-là non mais par contre j'ai une, une pièce de 2 voilà je mets 3 euros non je vais mettre 7 non je vais mettre 8 ouais je mets 8 je mets 8 euros alors donc je vais mettre 5 euros donc, euh, en violet, donc 5. Ensuite, il me faut un bleu, c'est 2. Donc ça fait 7. Ah, attendez parce que je vois que dalle. Euh, là, ici, c'est 2. Et un orange, pour faire 8. J'adore. Mmh, et du coup, on passe avant. Et j'arrondis. Je suis contente. Mon esprit psychorigide du chiffre rond est happy. Happy, happy, happy. Voilà. Alors, c'est celui-là que je, que j'adorais. J'adore. J'adore euh, colorier. Du coup, comme j'ai envie de partir en vacances, je me suis mis soleil et cocktail. Mais on verra après. Parce que du coup, je ne vais pas faire, faire celui-là. Je me l'enlève, sinon j'en ai trop. Et en plus, elle ne poste plus, plus rien. Donc, je ne dis pas que je ne les referai pas, mais euh, ce mois-ci, je ne pense pas le faire. Je vais finir euh, l'Aïd. Parce que bah, c'est aujourd'hui. Enfin, le défi euh, ramadan. Euh, donc, il me manquait. Combien il me manquait Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est 15. Donc, 9 euros. 2. 4, 6, 7, 8. Évidemment, j'ai 8. Donc, je vais faire un billet de 5. Je vais récupérer toutes les pièces. Et je vais mettre un billet de 10. Donc, ça nous fait 15 euros. C'est good. Et je vais finir Pâques aussi quand même. Quand même, quand même. Parce que c'est passé aussi. Donc, l'Aïd, c'est bon. Enfin, le Ramadan. Hop. Tiens, je vais mettre un, un petit trombone. J'ai envie. Pour les différencier. Et du coup, on va se mettre. Non, je vais finir Betty d'abord. Alors, oui, j'ai une amonée. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom qui me dit. C'est trop marrant comme tu as, as mis les, no, les prénoms des budgetteuses. Parfois, c'est assez cocasse quand tu dis Je vais gratter Linda ou je vais finir Betty. <laughs> Je vais finir le défi de Betty, il manque 10 euros. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et voilà. Donc, Donc j'ai fini le défi de pack de Betty. Et j'ai 20 sur 20. Ah, on sent que l'école me manque. Alors qu'en maternelle, on les... à part mettre des bonhommes contents. On met pas de notes. Moi, je je supporte pas de... Les notes. Je trouve que ça ne sert absolument à rien. Un enfant, on l'encourage et on ne le décourage pas en lui disant que t'as zéro, t'es nul. Euh, je mettrais bien dans la deuxième carte de blush, du coup, vu que je vais virer celui-là. Ah, oh, pardon. Oh, pardon. Je suis désolée. Euh, bah, je, vais mettre, je crois que je vais mettre toutes les pièces. À moins que j'aille en mettre je vais, finir ce... je vais finir celui doré. Ouais, je vais faire ça. Allez, j'en mets, 4... mets 4 chez Auré. Hop, comme ça j'ai fini. Voilà. Linda, non, c'est non. Les billets de 5, Maintenant, on les met tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 40 euros. Donc, ça fait 130 plus 40, 170 euros. Moi, je l'adore le défi des 5 euros. Je l'adore. Je suis contente, j'ai réussi à, à en récupérer pas mal. Ah, dans les saisons, bah, allez, je mets 10. Je me dis, parce qu'il a fait... Là, aujourd'hui, ça va. Il ne fait pas trop mauvais. Il faut bien l'avancer. Et je pense que celui-là, il me servira peut-être à aller chez le coiffeur. Je ne sais pas. Comme je, je, je dis souvent, je change d'avis comme de chemise. Mais bon, pour être belle cet été, elle euh, va aller me faire quelques mèches blondes. Voilà. Il faut ce se confonde avec les quelques cheveux blancs. j'en ai pas beaucoup, j'avoue. Alors, peut-être que je vais un peu mettre les 4 euros là. Je ne sais pas. Euh, il me reste combien 20. Déjà, je, je t'aime mon bébé, mais on ne t'a pas besoin tout de suite. Même budget, j'ai mis. Et je veux partir en vacances. Donc, il y a les billets de 5. Parce que le de c'est le 5. Et si je pars, c'est... J'ai vu qu'il y avait un voyage du 10 au 17 mai. Ou alors du 13 au 20 mai. Euh, donc, je, je suis en, en hésitation. Alors, est-ce que... Et de toute façon, ça, ça ira dans l'enveloppe... Euh, Mon sac, je pourrais le faire. Il me manque 30 euros. Je pourrais le, je pourrais le continuer. J'ai encore... C'est bon, j'ai le temps. Je suis pas non plus. C'est à moi que je me dois des sous. Allez, pour le symbole, je vais mettre 10 euros dans Soleil Cocktail. Ça va me motiver à réserver mon voyage et à me dire, vas-y, go, mag... go, ma go. Tu, vas... tu peux le faire. Ça fait trois ans que tu peux Tu pouvais pas. Tu t étais... T étais... Voilà. Bref. C'est du passé. Et je vais mettre 10 euros. Mais attendez, j'ai encore toutes les pièces là. Je, je, je fais n'importe. Sinon, je le finis. 2, 4. Voilà. 1, 2, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 16. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre 16. Ça, je vais aller y mettre les 4 dans, dans le défi lecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, il ne me restera que 4 euros à mettre. Je vais me le noter parce que sinon, à chaque fois, je vais oublier de recompter. 16 euros. Et puis, on verra. Est-ce que je le rajoute à soleil cocktail en fin de mois Je sais pas vu que ma magnétiseuse comme je l'ai bah prévenu qu'en avril je me concentrais sur l'hypnothérapie en mai j'avais le vide grenier je veux partir en voyage et euh, le 22 j'ai le concert de la Starac donc on, on, on a prévu un rendez-vous en juin mais euh, à voir euh, si j'y vais euh, si j'y retourne avant euh, voilà donc pour l'instant j'ai pas besoin de prévoir euh, sinon je, de toute façon je vais je, je, je vais provisionner dans santé au budget hein. Allez, Agnès, je mets, je 4, je mets 4 euros. T'as vu Pamela, ça me dérange plus de mettre les pièces dans les défis. <laughs> Comme ça, je suis à jour. Et je peux barrer. De toute façon, je vais... les collines ouvertes, je vais les... Ah, je l'aime trop, j'aime trop la neuromande. Je, je veux de l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. Ouais. Alors, trop marrante sur mon tableau de visualisation. Alors, j'ai mis un cœur, donc pour pour voilà, j'ai mis un cœur. Bref, et donc notamment parce que je voudrais, je suis pas prête tout de suite, mais pour trouver un homme. Mais quand on veut trouver un homme bien, il faut être super précis quand on fait son tableau de visualisation. Parce que si on veut, on dit juste, je veux trouver l'amour, je veux trouver un homme. Ça se trouve que ça va être un homme euh, qui n'est pas célibataire, euh, voilà, etc. Donc il faut être hyper précis. Donc moi, mis, je, quand j'ai collé mon image, j'ai dit je veux trouver un homme libre, fidèle, qui m'acceptera euh, tel que je suis, avec mon passé, et puis euh, avec mes qualités et mes défauts. Voilà, parce que... Et puis bah, avec ma pathologie, voilà, je suis fatiguée, je ne peux pas vivre comme, comme tout le monde à 100% donc euh, donc voilà donc là on va faire le remplissage et après on fera le défi flash et après je vais pouvoir vous laisser tranquille j'ai encore bien jacté là, il y a 45 minutes je, je pense que ce ne sera pas ce n'est pas une mauvaise idée en plus je vous ai même pas parlé des films que que j'avais ah, j'ai regardé trop de films cette semaine qui étaient vraiment vachement bien sur Netflix alors le salaire de la peur, Donc, c'est un remake d'un film qu'on regardait avec mon père euh, quand j'étais petite, euh, avec euh, Franck Gastambide euh, euh, sur Netflix. J'ai adoré. Euh, C'était hyper... Euh... Donc dans cours, j'ai un budget de 40, du coup, euh, mais que je n'ai 30 et je ferai 10 euros de bon d'achat cette, cette semaine. Enfin, je vais faire 20 euros, mais je vais en utiliser euh, peut-être euh, 10 cette semaine et 10 la semaine prochaine. On verra. Bref, on revient au film. J'ai regardé la lettre de son dernier amant parce que j'avais adoré le roman. C'est tiré d'un roman, le roman de Jojo Moyes. Euh, celle qui a écrit euh, « Avant toi euh, », le film à succès avec l'actrice la, de Game of Thrones. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, « Avant toi », avec le mec qui est paraplégique. Euh, C'est une super belle histoire d'amour. Et Jojo Moyes, du coup, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et j'avais adoré la lettre de son dernier amant. Et le film est pas mal. Donc, c'est une belle histoire. C'est deux, même deux belles histoires d'amour. Moi, je suis euh, be, euh, peace and love en ce moment. Donc, 10 euros dans ma peau. Et puis, euh, mon coup de cœur, mais vraiment quand même euh, le coup de cœur de cette semaine, c'est Le Fabricant de Larmes. J'ai trouvé euh, l'histoire très, très jolie. Et puis, euh, plaisir, plaisir des yeux. Hein. S'il vous plaît, l'acteur. Oh Comment il est canon. Comme il est canon. Euh, un peu comme euh, l'acteur du chemin des oliviers de la semaine dernière. Euh. Alors, mes 30 euros pour Mel. Donc, euh, à voir euh, si, si j'arrive si à les économiser ou pas. Et les 10 euros d'Okao, euh, non, je vais... Je vais. Où est-ce que j'ai mis Eh. Elle est bien gentille, l'hypnothérapeute. Mais elle ne va pas me piquer tout. Tous mes billets de 50. Hein. <laughs> elle en a besoin, elle est contente. Alors, elle en aura quand même eu, eu, eu beaucoup avec moi. Et les 10 euros de cas où, c'est fini pour le porte-monnaie. Mais 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 on a le défi flash. Alors c'est la première fois que je fais. Alors j'espère que je ne vais pas trop galérer. Alors, on est en semaine 2 euh, et du coup 150 euros. Ça veut dire qu'on est la semaine 15. OK donc la semaine 15 15 c'est impair J'ai fait n'importe quoi je crois la semaine dernière Donc 15 c'est impair Donc attendez je pousse sous ça Donc j'ai fait 5 Relancer le dé Et donc moi c'est relancer euh, J'ai le droit de re, rejouer au, les, au, au défi de Céline Et donc la semaine dernière je suis tombée sur pareil Oui euh, j'adore changer les règles Donc Purée mais c'est pas possible <laughs> mais c'est trop bien <laughs> je suis trop contente attendez je prends une, une petite mitraille ça va j'arrive bien à me débarrasser si vous voyez plus de pièces jaunes c'est qu'elles finissent tous euh, toutes dans mon porte-monnaie d'ailleurs enfin je me calme un peu sinon je vais me retrouver euh, au mois de mai avec euh... bon bah écoutez hein excuse- moi excusez- moi les filles, hein, je prends de l'avance hein. 8 euros alors comment je vais faire? Comment je vais faire Ça m'arrange pas ça. Je vais prendre dans santé parce que je sais que santé je vais pas, je vais pas tout utiliser mais il faut que je fasse de la monnaie. Alors, la carte numéro 3, on peut la ranger déjà. Comment je me la pète je crois, je crois que c'est moi qui suis le plus en avance. Où est-ce que j'ai mis euh, blindé de pièces là Il y a combien de pièces là Allô Alors... Et... Il n'y a que 5, 2, 3, 4, 5. Oh non Bon, alors je sais ce que je vais faire. Je sais, je sais. Je ne me, je me mets pas de pièces dans le défi lecture. Je reste sur ma première idée. Et je vais finir pack. Donc je me dois 4. Hop Donc j'en suis. Ah euh, bah... Euh, 4, 4, 8, 12, 12, 16, 20. Bon, c'est bon, bon j'avais pas changé. Ouf! Ouf! Du coup, avec ces 4 euros-là, je vais finir pack. et comme ça, je vais pouvoir faire de la monnaie. Attendez, je vais récupérer le trombone là. Hop! Il, à... il me servait. À... Pour l'instant, il me sert pas. Donc, je vais aller finir Pâques. Ça. Euh, donc 4. Il manquait bien 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Et du coup, il faut que j'arrive à faire. Normalement, j'ai 10, donc 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. J'ai changé avec un billet. Dans santé. Tac. J'espère vous, j'espère vous, vous avez capté. Et donc, on est plus à 16. On l'a fini. Hop. Et il faut que j'aille mettre 8 euros dans le défi de Céline. Donc, on va prendre les grosses pièces. 2, 4. 6, 8, et je me laisse les 2 euros dans santé. Voilà, Alors, hop. Ouh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, bah, vu que on est au mois d'avril, je vais essayer. Je vais essayer là ce mois-ci de, de faire que un lancer. Je vais essayer de reprendre la, la vraie règle parce que là, du coup, c'est vrai que j'avance super vite. Hein. Mais bon, comme ça, euh, quand un défi est fini, on peut en commencer un autre. <laughs> Parce que nous, on aime trop les défis. Voilà. Bon, ben bah voilà, les budgéteurs et les budgeteuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter, à me laisser juste un petit cœur si vous savez pas quoi dire. Ça fait euh, monter la chaîne euh, et puis ça fait euh, connaître. Euh, la chaîne à, à tout le monde sur YouTube donc je vous fais des gros bisous je pense que je vous ah oui j ai... ah oui et juste en série je voulais vous parler de au nom de la vengeance euh, c'est pas mal c'est pas un gros coup de cœur mais c'est Sibyl budget qui m'a conseillé de la regarder et franchement après la sieste au réveil, je me, mets, je me mets quelques épisodes de ça. Je me réveille tranquille ou bilou, ça passe crème. Donc merci Sibyl. voilà. Donc je, je vous fais des gros bisous les budgétaires et les budgétaires Je vous souhaite une belle semaine. Euh, vous aurez vu mon ultime, normalement. Euh, pop, pop, pop. Et je vous prépare peut-être une petite surprise, mais je suis pas sûre. Là aujourd'hui, on est mercredi, donc là c'est la mail du passé qui part. Vous, vous allez voir la mail vous allez voir la vidéo dimanche. Et euh, je me rappelle, il y a une abonnée, elle m'a écrit, c'est trop marrant quand tu rajoutes les trucs sur ton, ton vidéo, ta vidéo, c'est la du futur. Oh <laughs> enfin bon, bref, donc j'arrête mes bêtises, je me tais, je vous fais plein de bisous, euh, je vous dis à très vite et à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous les budgetaires et les budgetteuses, ciao.